la maison, l'un des pères de la maison. C'est un frère, un ami, il est prophète. C'est le visionnaire de la voix. Comment s'appelle un... La voix? Non, vous allez le faire. Généralement, nous le connaissons en tant que pasteur titulaire de l'église La Foi des Dieux. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours. Il disait que l'église était en train de muter pratiquement. On n'appellera plus l'église la foi de Dieu. On dira la parole de foi. On dira de quoi? Ok. Il le fera avec force et détail. Les jeunes sont bénis parce qu'au mois d'avril, précisément, nous aurons deux réunions de grands jeunes. Et le Seigneur nous fera du bien. Ce matin, Dieu l'a oint pour nous. Alors que je vais inviter l'homme de Dieu de s'approcher. L'Église, aidez-moi à accueillir cet homme. Que Dieu bénisse. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, amen. Asseyons-nous un moment. Comme l'a dit le pasteur Flarin, moi quand je suis ici, je me sens chez nous, amen. Pour l'instant, l'église s'appelle Parole de Foi pour quelques dimanches encore, mais bientôt l'église commencera à s'appeler la communauté, la voix de la puissance divine, amen. Ce n'est qu'un retour aux sources, un retour au nom originel, tel que le Seigneur nous l'avait donné. Amen. Que Dieu soit béni encore une fois pour l'invitation de mon frère, le pasteur Flarin, qui est un homme très bien, un homme très gentil, un homme qui a la grâce de Dieu, un grand visionnaire, ainsi que son épouse, maman Ingrid. Pendant que les deux se lèvent aussi, je voudrais que nous puissions les célébrer, acclamer le Seigneur pour eux. Un merveilleux couple. Amen. Maman a les cheveux, c'est ça qu'on appelle nappy. C'est ça nappy. J'avais aussi des cheveux. C'était il y a bien longtemps. C'était avant que le temps ne passe par là. Amen. Vraiment, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Si vous constatez bien, je suis plus clair que le pasteur Flarin. Que Dieu vous bénisse. Je pardonne son teint noir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je suis moi-même marié, très marié, sérieusement marié à la même femme depuis 16 ans et nous avons 4 enfants et c'est fini là. Amen. Et Dieu nous fait énormément de bien. Que Dieu soit glorifié. Nous prions ce matin que la grâce de Dieu puisse être notre partage, que nous puissions enseigner la parole de Dieu comme il se doit, que nous puissions marcher avec Dieu, que nous soyons capables d'exprimer non pas nos pensées, mais les pensées de notre maître, les pensées de notre patron. C'est la prière que nous lui adressons ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. On va aller très rapidement. Le thème sur lequel je vais parler, que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est les tueurs de la vision. Nous sommes dans une série d'enseignements, nous parlons sur les perspectives 2022, et là, j'aimerais quand même parler sur les tueurs de la vision tels que le Seigneur m'en a parlé. Dans les tueurs de la vision, je vais m'apesantir à parler sur la nature des infiltrés. Comment les gens s'infiltrent au milieu de nous. Nous allons également faire une rétrospective de certaines choses que nous vivons. Et prenez ce message que je vais donner comme quelque chose de très prophétique pour l'Église ici à Mirena, mais également pour l'Église corps de Christ. Amen. Vous savez, la faiblesse d'une vision commence dès lors que les infiltrés commencent à assumer des responsabilités importantes. Une vision n'est pas infaillible même lorsqu'elle vient de Dieu. Je répète, une vision n'est pas infaillible même lorsqu'elle vient de Dieu. On peut échouer dans une vision qui vient de Dieu. On peut même échouer avec un ainsi parle l'Éternel. Amen. Je répète, on peut même échouer avec un ainsi parle l'Éternel. Partout où Dieu donne sa parole,
Il est important de comprendre et de connaître les principes avec lesquels le Seigneur va travailler. Si on ne comprend pas les principes, on passera à côté. Amen. On passera à côté. Il y a une histoire de laquelle je voudrais juste vous parler. Vous allez prendre note. Cela se trouve dans Juges 20. Une longue histoire dans Juges 20. Juges 20, vous allez remarquer une histoire inouïe qui est exposée à l'intérieur. Une histoire complètement extraordinaire. C'est que Israël va demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je dois aller combattre Benjamin, mon frère ?» Le Seigneur dit à Israël, « Tu iras combattre Benjamin, je serai avec toi, je m'engage de marcher avec toi, je m'engage de te donner la victoire. » Vous savez, nous, nous avons l'habitude de dire, quand Dieu dit A, personne ne peut dire B, n'est-ce pas? Quand Dieu dit telle chose, personne ne peut dire le contraire. Et tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais si vous lisez ce passage, ça risque de troubler votre foi. Parce que vous allez vous rendre compte que pour une fois, Dieu dit une parole. Les gens décident de suivre la parole que le Seigneur a donnée, mais ils échouent. Ils se lèvent contre leur frère Benjamin. Ils échouent. Alors ils se posent la question, Seigneur, tu es avec nous. Ils ont pleuré. Le Seigneur leur a dit, allez-y demain, je serai avec vous. Ils y vont pour la deuxième fois. Ils échouent encore. Alors ils se posent la question, est-ce que celui que nous avions vraiment entendu, était-ce Dieu ou était-ce une autre personne? Amen. Le doute commence à s'installer. Nous sommes dans Juges 20. Je voudrais lire cette histoire. La Bible dit, Juges 20, nous prendrons à partir du verset 10. Merci pour cette culture. La Bible dit, nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les villes des Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous les ôtions, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Waouh! Waouh! Amen. Il pouvait viser un cheveu sans le manquer. Quelle précision! Sautons, prenons le verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa, contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Ils firent quoi? Ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent, vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arrêtons-nous d'abord ici. Alléluia. Une histoire terrible. Ils ont un ainsi parle l'Éternel. Mais ils échouent. C'est comme quelqu'un qui a une vision avec un engagement de Dieu. Mais il se rend compte qu'il est quand même en train d'échouer malgré la vision, malgré l'engagement de Dieu.
Il arrive dans nos vies que quelquefois on se pose la question, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ou pas? Est-ce que j'ai bien saisi? Frère, il est important que nous le sachions. Il est difficile que le diable combatte la chose de Dieu. Mais il est facile que le diable combatte la personne vers qui la chose de Dieu vient. Est-ce qu'on me comprend? Le diable ne peut pas aller arrêter la promesse de Dieu parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Mais néanmoins, le diable peut t'arrêter toi pour que tu n'ailles pas vers le lieu où s'accomplira la promesse de Dieu. Et le diable, pour y arriver, il utilise plusieurs voies. Bien aimé, lorsque nous parlons des tueurs de la vision, nous parlons des gens autour de nous qui sont capables de nous amener nous-mêmes à détruire la vision que nous avons reçue de Dieu. Des personnes qui sont capables de nous désorienter par rapport à ce que le Seigneur nous a dit. Des personnes qui sont capables d'agir comme Ève. Ayant été convaincue par le serpent, à son tour, elle convainc son mari. Des personnes qui sont capables de nous amener à croire et à saisir que Dieu n'est pas avec nous. Vous savez, ce genre de personnes sont très dangereuses. Parce que lorsque le diable les utilise, il les utilise aussi en fonction de leur proximité avec nous. Quelqu'un me comprend? Il les utilise en fonction de leur proximité avec nous. Bien aimé, tu peux dire les choses de ta vision. Aucun d'entre nous ne dira, moi j'ai jamais parlé de ma vision à quelqu'un. Parce que toute vision se communique, toute vision se parle. Toute vision doit à quelque part chercher à ce qu'il y ait une adhésion. Mais attention aux personnes qui adhèrent à la vision. Parce que les tueurs de la vision généralement ne sont pas dehors. Les tueurs de la vision sont dedans. Vous savez, même le mal qui fait très mal, permettez-moi de le dire comme ça, fait très mal lorsque ça vient de l'intérieur. Difficilement lorsque ça vient de l'extérieur. Vous savez, des fois nous prenons des gants en disant, voilà, si je pars manger chez les gens, si je pars manger au restaurant, on va m'empoisonner. Est-ce que vous savez que le taux des gens qu'on empoisonne au restaurant est inférieur au taux des gens qu'on empoisonne sur leur propre table? Parce que généralement, celui qui veut te détruire va d'abord chercher à faire une chose, à pénétrer ton environnement direct. Amen, amen. Celui à qui tu donnes tes oreilles, qu'est-ce qu'il te dit? Toutes ces choses sont très importantes. Quelle est donc la nature des tueurs des visions? Parce que après cet enseignement, tu vas rester réfléchir, pas beaucoup prier, mais beaucoup réfléchir. Ensuite, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, je fais déjà un bond. Tu diras au Seigneur, Seigneur, il y a certaines personnes que tu vas simplement éloigner de ma vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des personnes qui sont là comme des tueuses de vision. Ces personnes sont dangereuses. Elles sont très dangereuses. Je vais donner quelques caractéristiques de ces personnes. Les premières personnes qui tuent la vision, ce sont des personnes qui travaillent pour que tu ne crois pas en toi-même. Des gens qui vont venir pour que tu ne crois pas en toi-même. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent être sages, mais seulement ils viennent pour te décourager. Ils ne te disent pas forcément des paroles négatives, mais ils t'amènent à comprendre que les calculs que tu fais sont faux. Ce sont des personnes qui te diront, pasteur Florin, on n'a qu'à construire quelque chose de définitif. Au lieu de construire quelque chose de provisoire en attendant que les voisins nous vendent, on aura l'argent quel jour. Des personnes qui te diront, telles que les offrandes et les dîmes entrent à l'église, il sera difficile que nous puissions terminer notre construction. Vous savez, des fois, ce genre de personnes-là se présentent sous forme des grands intellectuels, sous forme des grands comptables. Ils ont des prévisions économiques et budgétaires extraordinaires. Mais une chose est vraie, ce sont des gens qui viennent pour tuer la vision. Amen. Il suffit que tu les écoutes. Et petit à petit, tu commenceras à diminuer, à ralentir l'ampleur de ta vision. Vous savez, lorsque nous avons décidé d'acheter l'endroit où nous sommes avec l'église, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Le jour où on devait s'asseoir en comité, j'ai dit aux frères, c'est l'église de Dieu, nous allons acheter une maison que nous allons casser, on va construire l'église sans dette. Nous n'allons contracter aucune dette dans une banque. Et c'était là avec mes collaborateurs que quelqu'un de très intelligent dira, prophète, est-ce que tu réfléchis? L'église est composée de plusieurs jeunes. La plupart des gens qui sont là n'ont même pas d'emploi. À moins que vous nous disiez que vous avez l'argent pour faire ça, mais vous vous cachez. J'ai dit, on va faire ça avec ces mêmes gens.
et Dieu va les bénir, ils vont faire. Bien aimé, quand on lance l'opération achat parcelle, tout de suite avec le bailleur, nous avons des problèmes. Et il va porter plainte contre nous, nous portons plainte contre lui. Alors un jour, j'appelle l'avocat, je lui dis, tu sais quoi? Va à la commune, dis que nous cherchons, nous demandons maintenant un préavis. Même si on a raison, je veux un préavis. Il me dit un préavis de combien de temps? J'ai dit de 3 mois, renouvelable une fois. Il me dit, c'est absurde. Nous sommes une personnalité morale. Donc on peut bénéficier d'un préavis de 1 année. Au lieu de bénéficier que de 6 mois. J'ai dit, on va se mettre nous-mêmes sous pression. Vous savez, quand il part, il négocie quand même pour 1 année. Il revient me dire ça, j'ai dit, je dirai à l'église que nous n'avons que 6 mois. Vous savez, quand on a dit ça à l'église, les gens étaient vraiment tristes. On tient une autre réunion du conseil. Un frère qui avait des relations dans les banques va commencer à dire, non, prophète, je pense qu'il faut aller emprunter. J'ai dit, si nous allons emprunter, l'église est une personnalité morale. Donc ça veut dire que je devrais m'engager pour l'église. Or, moi, je ne peux pas vivre avec des dettes. Donc, on va prier, Dieu va lui-même pourvoir. Et lui me sort aussi la même réflexion. Il dit à l'église, il y a trop de jeunes, comment on pourra faire? Frère, dans l'autre temps, les commissionnaires trouvent un endroit, 200 000 $. Et je pars voir le propriétaire de l'endroit, je lui dis, je vous donne une avance de 3 000. Il me regarde, il dit, est-ce que vous êtes sérieux? J'ai dit, monsieur, vous n'avez jamais rencontré plus sérieux que moi. Je dis, je vous donne une avance de 3 000. Vous me donnez 45 jours. Je vais vous amener non pas la deuxième tranche, mais je vais vous payer la totalité. Vous savez que 45 jours après, non, 42 jours après, nous avons contacté le monsieur pour lui dire, monsieur, on a besoin de te voir. Nous avons l'argent. Vous savez, lorsque j'ai envoyé les gens payer, parce que moi j'étais allé en Côte d'Ivoire, quand on lui a payé, il a dit à sa femme, chérie, n'est-ce pas que je t'avais dit que ce jeune homme-là en jeans, avec des sandales, m'avait l'air d'être comme un fétiché. Il parlait avec tellement d'assurance que il dira aux gens que j'ai envoyés, il dit, il y a des gens qui sont venus avec plus d'argent que vous, qui me proposaient de payer comme première tranche 150 000. Mais vous, vous êtes venus avec première tranche 3 000. Et nous avons décidé, et j'ai senti qu'on ne devait donner qu'à vous. Vous savez que lorsqu'on lui a payé la totalité, il nous a rendu quelque chose pour payer, il leur a rendu quelque chose pour aller manger au restaurant. Il leur a dit, j'ai jamais vu des gens aussi sérieux. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque tu as une vision, tu as des objectifs, fais attention à la qualité des personnes que tu écoutes. Parce que la vision et les objectifs qui viennent de Dieu sont toujours recouverts d'une dimension de folie. Ça veut dire que ça doit aller au-delà de l'entendement normal. Bien aimé, là où les calculs triomphent, la foi n'a pas de place. Je répète, là où les calculs triomphent, la foi n'a pas de place. Or, là où la foi est, les calculs finissent par échouer à un moment. Et c'est quand ça échoue que maintenant la foi va réinitialiser le programme de la construction. Le programme de l'acquisition ou le programme de l'octroi ou encore le programme de la réalisation du but. Est-ce que quelqu'un me comprend? La catégorie des personnes intelligentes, mais qui ont des calculs bidons. C'est pourquoi Dieu a empêché à ce que son fils ne naisse à l'époque de l'université. Parce qu'on aurait calculé la grandeur de Jésus en fonction de son diplôme. Et il y aurait des gens qui auraient dit, nous on l'a enseigné. Or, il fallait que le Fils de l'homme ne soit enseigné que par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est la qualité des personnes que tu consultes lorsque tu reçois une vision? Vous savez, quand on a une vision avec Dieu, les gens qu'on consulte, on ne les consulte pas pour avoir une imposition sur soi. On les consulte simplement pour avoir un avis. Point barre. Maintenant, vous savez, pasteur, le problème dans l'église, des fois, c'est quoi? C'est quand nous avons des comités qui cherchent maintenant à diriger le pasteur avec l'intelligence, oubliant que nous sommes dans un domaine ecclésiastique et non laïque. Ça veut dire que nous sommes dans un domaine où c'est celui qui a l'onction qui dirige. Et ceux qui n'ont pas, qui ont l'onction derrière lui, sont obligés de se ranger à la vision.
Vous savez, lorsque le bishop David de Edepo devait construire son église, il a dit à ces gens, nous allons bâtir une église de plus de 100, de plus de 50 000 places. Ça faisait 55 000 places. 100 colonnes à l'intérieur. Réunissez les architectes. Les architectes ont travaillé, ils ont dit, ce n'est pas faisable. Or, lui-même aussi avait fait l'architecture. Ses propres professeurs qu'il avait eu à l'université lui ont dit que ce n'est pas faisable. Il leur a dit, moi, la vision que j'ai eue, c'était une église de 55 000 places sans qu'il n'y ait une seule colonne dedans. Et vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? C'est quand j'ai vu que la chair a quitté là-bas, on l'a placée ici. Parce que le seul moyen pour avoir une église de 50 000, de 55 000 places assises, sans colonne, consistait à ce que la chair soit au milieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné. Ensuite, il a dit aux architectes, je ne vous demande rien. Il a confié le travail à d'autres ingénieurs qui, eux, se sont juste chargés de faire quoi? D'appliquer. Et aujourd'hui, il a une église de plus de 50 000 places assises, sans colonne à l'intérieur. Le problème, c'est que nous nions pas l'intelligence. L'intelligence peut être une contribution à la vision. Mais l'intelligence peut aussi détruire la vision lorsqu'elle n'est pas basée sur les principes de Dieu. Qui m'a donné un amen bien? La deuxième catégorie de personnes qui constituent la qualité des tueurs de la vision, ce sont des personnes qui viennent vous rappeler votre passé. Vous savez, les gens qui te rappellent ton passé sont des bourreaux qui cherchent à te garder dans une prison. Tu as une vision d'aller loin, mais eux, ils te rappellent que si on calcule bien, il est mathématiquement impossible que tu n'ailles loin compte tenu de ton passé. Bien-aimés, lorsque nous sommes avec Dieu et que nous avons une vision, nous ne sommes plus tributaires de notre passé. Mais nous devenons tributaires de notre foi. Or, la foi de l'homme ne regarde pas derrière. La foi de l'homme regarde toujours devant. Parce que la foi fait que tu deviennes une histoire que les autres vont étudier. Mais la foi ne se base pas sur des histoires passées. Bien-aimé, quand je pense à ce que Dieu va faire, ça veut dire que si je dis il va, ça veut dire que dans le passé, il ne l'a pas encore fait avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ne soyez pas tributaires de votre passé. Vous savez, dans la vie de la plupart d'entre nous, notre passé finit toujours par nous anéantir lorsque nous écoutons des gens qui nous le rappellent. Vous savez, quand les gens disent, quand tu montes, souviens-toi d'où tu viens. Mais est-ce que tu sais que cette philosophie n'est pas normale? Parce que si tu montes en gardant la pensée sur d'où tu viens, tu vas y retourner. C'est comme quelqu'un qui avance, mais qui prend des dispositions au cas où il va rentrer. Or, la foi n'évoque pas la probabilité de l'échec. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La foi n'évoque pas la probabilité de pouvoir échouer. Voilà pourquoi parmi les choses qui veillent sur le succès se trouve l'alliance. Donc tant que je n'ai pas trahi l'alliance, je ne peux pas penser au cas où ça ne marche pas, ça marchera toujours. Donc même si j'échoue, c'est une autre forme pour Dieu de m'apprendre comment ne plus échouer et comment faire pour que ça marche toujours. Refuse d'écouter des gens qui te rappellent ton passé, comme si eux-mêmes n'en avaient pas. Qui m'a donné un amen? Des gens qui te rappellent ton passé. Et lorsqu'ils te rappellent ton passé, ils ont tellement d'arguments. Moi je te connais, tu sais comment on a grandi. Et ils ressemblent à Abinadab. Ils ressemblent aux grands frères de David, à tous ses grands frères qui ont dit à David, nous te connaissons petit, tu es un prétentieux. Vous savez, David avait le comportement d'un moine à Matete. C'est-à-dire là où il y a des combats, il doit aller voir. Moi je suis né à Matete, je sais de quoi je parle. Donc dès qu'on entendait même si on vous a interdit de sortir, vous sortirez. Parce que vous savez qu'il y a déjà une bagarre en téléchargement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a déjà une bagarre en téléchargement. Et là vous êtes content. Bien aimé, faites très attention à la qualité des gens qui vous rappellent votre passé. Des gens qui vous diront, regarde d'où tu viens là, tu ne peux pas arriver là-bas.
Bien-aimé, si on calcule mathématiquement comment Paul est devenu le grand apôtre, d'où il vient, rien n'est justifié qu'il arrive là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des gens qui vont te dire, mais tu te rappelles en telle année, tu avais commis telle bêtise, tu avais fait telle chose, tu avais dit telle autre chose. Je l'avais dit, je l'avais fait, et alors? Tant que je ne suis pas mort, ça veut dire que Dieu m'a donné la possibilité de me corriger. Considère mon passé comme un brouillon, mais considère ce que je fais aujourd'hui par la foi comme étant les véritables pages sur lesquelles je suis en train de écrire avec de l'encre indélébile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, mon passé est passé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mon passé est passé. Les gens qui te rappellent toujours tes poubelles, les gens qui te rappellent toujours tes délires. Vous savez, lorsque vous allez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte d'un phénomène bizarre. C'est que partout où il y a des belles villes, à proximité, il y a toujours ce qu'on appelle des bidonvilles, appelées en anglais des townships. Et c'est là que vous allez trouver souvent la caste des noirs, pauvres, sales. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que ces noirs-là, ils ont l'habitude de venir voler chez les riches. Alors un jour, un noir vient voler chez le riche. Quand il entre dans la cuisine du riche, il sent l'odeur du poulet. Mais lorsqu'il ouvre les casseroles, il n'y a rien. Alors il ouvre la poubelle. Il trouve un poulet entier jeté dans la poubelle. Et ça flottait encore bien emballé. Maintenant, en mangeant cela, il dit à son ami, les riches sont bêtes, hein? Comment il peut jeter un poulet entier dans la poubelle? Vous comprenez? Maintenant, entre lui qui mange ce qui a été jeté, et celui qui a jeté, qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? C'est celui qui fait quoi? Qui mange ce... Parce que tu ne sais pas pourquoi on a jeté. Mais tu juges tout de suite sur l'acte qui a été posé, sans même en connaître la cause. Et c'est malheureusement comme ça que nous les chrétiens nous sommes devenus. Ça veut dire nous sommes là toujours à aller déterrer ce que les gens ont enterré. Quand on te dit, mais tu connais le pasteur Flarin, Dieu est avec lui, je le connais, mais vers les années 90, regardez ce qu'il avait fait. Bien aimé, c'était lui en ces années-là. Lui aujourd'hui, ce n'est pas lui là-bas. Attention aux personnes qui vous amènent à toujours réfléchir en fonction de votre passé. Ce sont des personnes qui sont en train de tuer en vous l'estime. Ce sont des personnes qui sont en train de tuer en vous une certaine assurance. Or, pour que la vision s'accomplisse, pour que vous puissiez terminer cette année avec succès, vous avez absolument besoin de prendre de l'assurance. Qui m'a donné un amen? Des gens qui vont vous rappeler vos échecs. En vous disant, tu vas encore échouer, ne fais pas ça. Tu vas encore échouer, ne fais pas ça. Bien aimé, des fois il est de ces personnes. Quand il veut commencer à te rappeler ton passé, dis-lui arrête. C'est pourquoi vous allez remarquer que les autorités africaines ont l'habitude de faire, lorsqu'on les nomme, ils s'éloignent de leurs vieux amis. Et il y a des gens qui disent toujours, oui, écoute, Akima ba master. Le problème c'est que ba master va comprendre t'es qu'à changer statut. Un jour, moi je suis marié, j'étais déjà marié, je passe par la venue de mes parents à Lipen, je vois mes vieux amis au coin, comme à l'époque où nous étions enfants, en train de critiquer, de critiquer, de critiquer. Papa n'a pas encore ta sagiboué. Leur mère, c'est pas leur mère, leur garçon là, on connaissait tout de tout le monde. Alors quand je passe, je baisse la vitre, je salue, je m'en vais. Là, il y en a un qui avait mon numéro de téléphone, il m'appelle, il dit, ah, Mokili, ah, Mokili. J'ai dit quoi? Il dit, ah, Bozué, Pessi Bokabouane. Alors, je lui ai répondu, papa, Ezalaka, bon. Tokutango. Il me dit, mon cher, tu ne peux pas t'arrêter qu'on parle un peu de Zidane, de Maradona et tout ça. J'ai dit, mon cher, quand toi, tu termines de parler, tu vas te nourrir de ce que maman a préparé. Mais moi, quand je rentre, c'est moi qui vais assurer ce que les autres vont manger. Donc, nous ne sommes plus dans une position pareille. J'ai dit, moi, je vais parler de Zidane. Il ne paye pas sa dîme chez moi.
Vous allez me demander de discuter à longueur de journée entre Messi et Ronaldo qui dépasse l'autre. Mais j'en ai rien à cirer. Mais si Ronaldo paye la dîme d'un mois chez moi, venez, on va discuter. Là, je monterai même sur le mur comme ça. Parce que je sais que même si je me brise une jambe, il y a l'argent. Maintenant, vous comprenez pourquoi les riches fuient souvent leurs anciens amis. Parce que généralement, les anciens amis ne manifestent aucun respect pour ceux que vous êtes devenus. Qui m'a donné un amen? Donc, même dans des endroits où tout le monde t'appelle pasteur Florin, lui, il veut seulement montrer qu'il te connaît. Oh, Florinto. Oh, ce que vous oubliez, c'est que le statut d'une personne est imposable à tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce que vous êtes rendu compte dans l'histoire de la vie de Jésus? Jésus était capable de s'arrêter pour guérir quelqu'un qu'il a appelé fils de David. Mais il était incapable de s'arrêter pour intervenir dans la vie de quelqu'un qui a dit, est-ce que celui-ci n'est pas fils de charpentier? Parce qu'il n'a pas commencé la mission comme fils de charpentier. Il a commencé la mission comme envoyé de Dieu. Dis un peu à ton voisin, ne me rappelle pas mon passé, je le connais déjà. Non, dis-lui bien, je le connais déjà. C'est comme ça que dans l'église, il est de ces personnes qui doutent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on leur a tellement parlé de leur passé, que le même passé continue à les faire pleurer jusqu'à aujourd'hui. Quand on vient pour l'épouser, il y a toujours quelqu'un qui lui dit, « Hé, Thérèse, donc la personne est en train de réinitialiser le programme pour te montrer que toi d'ailleurs, il y a risque que même marié, tu ne fasses pas des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il est de ces programmes, quand ça entre dans l'ordinateur de ta vie, il faut leur envoyer des virus. Vous savez, il est de ces personnes, le jour où tu deviens grand, accepte qu'ils te traitent d'orgueilleux. Vous savez, la Bible dit, quand tu apprendras à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, mais ça sera à eux de venir vers toi. Est-ce que vie n'est mobimba, classe n'est mobimba? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu n'as pas besoin de me rappeler mon passé. Je le connais. Je le connais. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand le diable veut vous atteindre, il passera par des gens comme ça. Parce qu'il sait que leur voix sera écoutée. Parce qu'il sait que leur voix va retentir dans votre cœur. Des gens qui vous rappellent votre passé. Des gens qui vous rappellent même les poubelles que vous avez enterrées. Un jour, une soeur est venue me voir, elle me dit, « Papa, j'ai avorté, je n'arrive pas à oublier. » J'ai dit, « Tu as avorté, ça fait combien d'années ?» Elle me dit, « Ça fait 23 ans. » J'ai fait, « Tu as déjà confessé ?» Elle me dit, « Oui. » »« Tu crois que Dieu t'a pardonné ?» Elle me dit, « Oui. » Et puis elle me dit, « Mais je n'arrive pas à oublier. » J'ai dit, « Tu as un problème ?» Tu as confessé. Tu crois que Dieu t'a pardonné. Maintenant, il reste quoi ? J'ai dit, « Maintenant, quand tu viens me voir ici, c'est pour que je te dise quoi de nouveau ?» J'ai dit, ma soeur, lève-toi, elle s'est levée. J'ai dit, à genoux, elle s'est agenouillée. Et puis je lui ai dit, que le Seigneur soit avec toi. Il est grand le mystère de la croix. Elle était contente. Parce qu'il est de ces personnes qui aiment qu'on mystifie les choses pour croire qu'on est dans la vérité. Et qui ne croient pas en la simplicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, même s'il y en a qui vont brandir ton passé, toi brandis-leur ta vision. Si tu n'es pas mort dans ton passé, ça veut dire que tu es un challenger de poids par rapport à ton avenir. Si Dieu ne t'a pas laissé mourir, au rang de toutes les semences que maman avait reçues, il n'y a que toi qui sois sorti, qui sois devenu enfant. Et aujourd'hui, tu es devenu un homme, tu es devenu une femme. Ça veut dire que si tu as remplacé le championnat en ce moment-là, tu remporteras aussi le championnat de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ma destinée n'est pas conditionnée par d'où je viens. Ma destinée n'est pas conditionnée par mon passé. Mais ma destinée est entre les mains de Dieu. Je la gère avec l'œil de la foi. Et je crois que parce que Dieu est avec moi, personne ne me ramènera d'où je viens. J'interdis à toute personne qui connaît mon passé de venir me le rappeler parce que je le connais aussi.
qui m'a donné un amen. Je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu soit avec nous, soit avec nous, que la main de Dieu nous amène encore de l'avant. Qui m'a donné un amen? Dis avec moi, je regarde devant. Non, dis-le bien avec moi, je regarde devant. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 24, la Bible dit que tes paupières soient bien réglées, que tes yeux regardent devant toi. Ne les clignes ni à gauche ni à droite. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il est de ces gens, quand tu es avec eux, il va seulement te rappeler les choses que tu n'aimes pas entendre. Quelle est cette femme qui a envie qu'on lui rappelle tout le temps qu'elle a fait 3 accouchements par césarienne? Personne. Et toi, tu es là toujours, tu la vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une autre catégorie de personnes dangereuses pour la vision, ce sont les infiltrés. Et c'est là que je vais m'apesantir, les infiltrés. Les infiltrés. Les infiltrés nous font beaucoup de mal. Dans les églises, même dans nos vies privées, les infiltrés nous détruisent. Parce que généralement, les infiltrés ont la forme des personnes qui nous aiment. Ont la forme des personnes qui compatissent avec nous quand ça va mal. Ont la forme des personnes qui ont des paroles de soutien. Gagnent votre confiance et au moment opportun vous achèvent. Les infiltrés sont très dangereux et ce sont les plus grands tueurs de la vision. Parce que eux accompagnent la vision, l'assassinent et s'assurent qu'une fois la vision assassinée sera émiettée. Et ne pourra plus se recomposer. Qui m'a donné un amen bien? Prenez avec moi Apocalypse 2, 9. Ensuite Apocalypse 3, 9. La Bible dit 2, 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. La Bible dit de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Apocalypse 3, 9. Voici. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Quelqu'un m'a donné un amen bien. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, dites avec moi déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Éloigne-toi de qui? De ces hommes-là. Il en est parmi vous qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Des infiltrés. Des gens qui ont l'apparence de la piété. Des gens qui vous parleront de sanctification du matin au soir. Mais avec un cœur rempli de haine. Capable de détruire leurs frères quand ils en auront l'occasion. Des gens qui vous diront, prions pour le pasteur Flarin. Parce que nous avons appris, nous avons appris. Ils vous font passer une information derrière une requête. Parce qu'ils veulent le détruire, ils veulent le disqualifier. Quelqu'un m'a donné un amen. Des gens qui prêcheront les erreurs des autres, plutôt que de les aider à changer, on prêche leurs erreurs pour les exposer. C'est malheureusement l'église d'aujourd'hui et les chrétiens de notre temps. Et cette mentalité, je peux le dire et j'ose le dire, elle n'est pas de Dieu. Elle est satanique. Qui m'a donné un amen bien? Spirituellement, nous avons des infiltrés. À quoi ressemblent les infiltrés spirituels? Les infiltrés spirituels, c'est la catégorie des sorciers qui parlent en langue. Qui prophétisent aussi, mais avec un esprit de python, parce qu'ils sont animés et habités d'un esprit de séduction. Qui m'a donné un amen? Je répète, ce sont des sorciers,
Ils ont tous des sorciers. Les sorciers sont des destructeurs des autres, des destructeurs des destinées. Les sorciers sont des gens qui vous détournent de votre destinée. Alors, ces gens existent aussi dans l'église. Ils ont pour but de faire quoi? De vous ensorceler. En passant par certaines voies que vous pensez être saintes. Ces gens-là détruisent vos étoiles. Ils détruisent ce que vous êtes. Or, dans la parole de Dieu, l'homme est comparé à une étoile. Quelqu'un me comprend? Et il existe de ces personnes dans l'église qui ont une sorcellerie qu'elles-mêmes ignorent. Quand un frère en Christ travaille à détruire la prédication de son propre pasteur, il est sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pas normal. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on baptise. Tu ne sais pas d'où on vient. Tu ne sais pas le prix qu'on a payé. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches à faire? À disqualifier, à montrer à tout le monde que votre pasteur là n'est pas ce que vous pensez être. Sans preuve, sans conviction, on cherche à séduire. Ces gens-là deviennent comme des commissionnaires diaboliques. Ils sont là pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Alors que toi-même, tu ne sais pas que la bénédiction de ta destinée, la bénédiction de ta vision, dépend aussi de celui qui a la parole sur toi. Ça dépend aussi de la personne en dessous de laquelle Dieu t'a placé. Bien-aimé, est-ce que je peux dire quelque chose? Le jour où Barnabas s'est séparé de Paul, c'est ce jour-là qu'il a compris que le ministère c'était à Paul et pas à lui. C'est ce jour-là qu'il a compris que même si la prophétie est sortie dans Actes 13, verset 2, en présence de tout le monde pour les deux, ce jour-là il va réaliser qu'on avait d'abord commencé par le nom de Paul. Quelqu'un me comprend? Parce que bien-aimé, lorsque les sorciers spirituels, les sorciers chrétiens, entre guillemets, entrent dans votre vie, ils vont chercher à vous déconnecter de votre lieu de bénédiction. Nous nous sommes rencontrés à l'église, mais tu veux qu'on quitte l'église en communauté. On n'était pas amis avant, on s'est connus à l'église. L'église nous a mis ensemble. Mais le jour où tu n'es plus d'accord avec le pasteur, tu cherches à m'évangéliser pour que je quitte l'église. Frère, tu vois comment on s'est rencontrés ici? Considère qu'on ne s'est jamais vu. Donne-moi un amen, bien. Parce que si toi tu es mécontent et que moi je trouve ma bénédiction ici, laisse-moi ici. Et puis vous dites toujours, on m'a frustré. Depuis qu'on vous frustre dans vos familles, vous ne changez ni le nom de famille, ni la famille. Le jour où on veut vous doter, vous les amenez toujours chez le même père qui vous insultait depuis que vous êtes enfant. Vous appelez toujours la même personne, mamie, mamie, maman, maman. Mais c'est la même personne depuis que tu as grandi qui te tape, qui t'insulte, qui te insulte. Tu as la barbe aujourd'hui, il t'insulte, elle t'insulte toujours. Mais une fois qu'à l'église, on fait seulement un petit truc contre toi, je m'en frustré. Je ne viendrai plus à l'église. Comme une soeur, un jour, je la rencontre, je dis, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle me dit, parce que j'avais perdu mon oncle, les gens de l'église ne sont plus venus. J'ai dit, est-ce que si les gens de l'église étaient venus, ton oncle allait ressusciter? Non, c'était pour que les gens voient que l'église aussi m'a suivi. J'ai dit, bon, l'église va te suivre en plein programme parce que toi, tu vas enterrer leur mort. Tu vas enterrer ton mort. Donc, nous allons tous nous cotiser juste pour enterrer quelqu'un. J'ai dit, soeur, réfléchis. Est-ce que tous les membres de ta famille étaient venus au deuil? Elle m'a dit, non, il y a des gens qui étaient aussi malades. J'ai dit, considère que l'église aussi était malade. C'est ça. Vrai ou faux? Des gens qui évangélisent les nôtres pour les faire fuir de l'église. Pour les faire quitter. Des chasseurs d'infos. Yaya, il y a un qui pleut mon robe. Sois dans le bureau, église et Panzani. Non, Panzani. Garde ça pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, garde ça pour toi. Non, dis-lui bien, garde ça pour toi. Vous savez, les infiltrés spirituels, quand ils entrent au milieu de nous, des fois, ils sont serviables, gentils. Ils vont même aller jusqu'à devenir des collaborateurs du pasteur. Mais ils n'ont qu'un but, c'est légitimer leur péché. Ils n'ont qu'un but, c'est amener à ce que leur péché devienne le péché de l'église. Vous savez, des fois, les gens qui font du mal, qui détruisent la vision des hommes de Dieu, qui détruisent même votre vision dans l'entrepreneuriat, sont généralement des personnes qui vous ont donné l'impression de partager votre vision, de partager vos objectifs. N'oubliez pas que 80% des personnes qui viennent dans votre vie ne viennent pas pour vous, elles viennent pour elles-mêmes. Je répète, 90% ou 80% des personnes qui viennent dans notre vie ne viennent pas pour vous. Elles viennent pour elles-mêmes. Regardez des fois comment ça marche dans nos églises.
On peut faire des affiches. Les gens partagent, ne partagent pas. Mais le jour où vous mettez son visage, il va partager. Parce qu'en réalité, il est là pour lui. Quelqu'un me comprend? Il est de ces visions qui engendrent des visions. Mais il en est d'autres qui viennent pour utiliser le visionnaire comme une échelle pour être vu. Et une fois qu'ils seront vus, ils s'en iront. C'est pourquoi vous allez remarquer, généralement, les entreprises concurrentielles ont toujours un agent qui vient de l'entreprise qu'on veut concurrencer. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent un secret. Ils partent avec ce secret. Ils prennent ce secret, ils en font un commerce. Et ça devient leur investissement. Des tueurs. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Des gens qui s'assemblent au milieu des chrétiens, mais qui viennent pour détruire. Combien de sœurs n'ont-elles pas perdu leur virginité à l'église? Moi, je suis surpris d'un phénomène aujourd'hui qui est en train de se répandre. Les gens apprennent même l'homosexualité à l'église. Et des fois, quand vous voyez avec qui ils tombent, vous vous dites, mais Seigneur, comment tu as caché, tu nous as couvert les yeux pour ne pas voir ça. Attention aux infiltrés. Ils sont très dangereux. Ils peuvent détruire un travail qui est en train de porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ils peuvent détruire ce que vous avez. Ils peuvent détruire ce que vous êtes. C'est une stratégie du malin. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir la stratégie d'Absalom. Quand Absalom avait une vision. Un jour, je m'asseyrai, je me mettrai sur le trône de David, mon père. Mais je sais que papa ne me laissera pas ce trône, étant donné que j'ai déjà tué Amnon. Que disent les Écritures? Lorsque les gens entraient dans la ville, ils se mettaient à la porte et ils leur parlaient. Il a commencé son mouvement dans un mouvement. Et le jour où il est passé à l'acte, David a d'abord préféré fuir avant de l'affronter. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas l'ampleur du complot. Il ne connaissait pas l'ampleur du complot. Et j'aime bien, David dit aux gens de sa cour, fuyons devant Absalom, car nous ne savons pas de quoi il est capable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça dans votre vie, qui sont comme des Absalom, qui viendront découvrir vos faiblesses pour les exploiter contre vous. Quelqu'un m'a compris? Ça aussi, c'est un comportement des sorciers spirituels. Ils viennent prendre ce que vous êtes. Ils viennent pour découvrir qui vous êtes, afin de vous détruire. Vous savez, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais je parle pour nous ici. Nous sommes parmi les rares églises au monde où celui qui pêche, quand on l'attrape, il veut prouver qu'il n'est pas le seul, au lieu de se repentir. Regardons notre culture. Si aujourd'hui, il y a un sex tape d'un pasteur, qu'on met ça sur YouTube, en deux jours, ça peut avoir 1 million de vues. Mettez seulement la guérison des malades sur YouTube, ça peut avoir 68 vues en une année. Parce que ce qui élève Dieu ne nous intéresse pas. C'est ce qui écrase la réputation des autres qui nous intéresse. Est-ce que c'est normal? Dis avec moi, c'est la sorcellerie. Non, dis-le bien avec moi, c'est la sorcellerie. Donc quand on attrape quelqu'un, sa bataille, c'est de se battre pour que tout le monde soit comme lui. Alors j'aimerais ici vous attirer votre attention sur un phénomène. De plus en plus, le diable attaque les visions et les visionnaires en utilisant des personnes qui agissent comme des panneaux publicitaires de Satan. C'est-à-dire des personnes, vous êtes avec elles, vous savez qu'elles sont coureurs de jupons. Vous savez qu'elles vivent dans la compromission. Vous savez qu'elles ne respectent pas la loi de Dieu. Mais elles vous montrent tous les signes des gens qui évoluent. Bien aimé, tout progrès ne vient pas forcément de Dieu. Tout succès n'a pas toujours Dieu à la tête. Faites attention à ce genre de personnes. Aujourd'hui, de plus en plus, elles séduisent la ville. Elles séduisent même les fidèles dans nos églises. Elles montrent aux fidèles de nos églises que la grâce est tellement grande que tu peux prendre une deuxième femme, une troisième femme, tu peux faire des enfants dehors. Dieu continuera à travailler avec toi. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la loi, la grâce n'a pas annulé le péché. La grâce nous donne la possibilité de résister au péché. C'est ce qui est écrit dans Romains 6, verset 6. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La grâce ne m'amène pas à consommer le péché à pleines dents. Non. La grâce me donne au contraire la possibilité de résister lorsque le péché se lève devant moi.
qui m'a donné un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, faites attention aux personnes avec lesquelles, aux côtés desquelles vous vous mettez, mais que le diable envoie juste pour vous séduire, juste pour sanctifier le péché, juste pour sanctifier le mal. Une personne qui te dira, regarde, je suis prophète, je suis pasteur, je suis apôtre, c'est ma copine, mais tu verras quand on ira au culte, Dieu va travailler. Ça, ce sont des panneaux publicitaires du diable, les mannequins de Satan. Ils vous montrent que vous n'avez pas besoin de la sanctification. En réalité, ce sont des séducteurs qui viennent détruire votre potentiel de vivre l'accomplissement de votre vision. Parce que retenez ce que je vais vous dire. Chaque vision pour s'accomplir est toujours soutenue par un type de consécration particulière. C'est-à-dire, ma consécration n'est pas ta consécration. Ma consécration n'est pas ta consécration. Si l'onction était gérée dans la vie de Samson, grâce aux tresses, la réalité c'est que les tresses tiraient leur force du secret qui se cachait dans le cœur. Parce que le jour où Samson a dévoilé le secret de son cœur, on a pu couper ses cheveux sans qu'il ne s'en rende compte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc faites très attention. Quand vous avez une vision, vous devez savoir quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Alors les choses à faire et à ne pas faire définissent dans la vie de chacun de nous un barème à ne pas dépasser. C'est-à-dire, il est de ces gens avec leur vision. Lui, il est peut-être tombé dans l'impudicité une fois, mais Dieu l'a relevé comme si de rien n'était. Mais il en est d'autres avec qui Dieu fera montre d'une sévérité hors pair. C'est-à-dire, si toi tu essayes seulement une fois, je te rejette. Parce que nous n'avons pas tous la même vision. Dieu ne nous a pas tous créés pour le même objectif. Chacun de nous vit parce qu'il y a une vision, vit parce qu'il y a un objectif. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'éloigne des personnes qui sont susceptibles d'exercer autour de toi une mauvaise influence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'imitez pas les gens qui font le mal, ne les imitez pas. Imitez au contraire des personnes qui marchent avec Dieu. Bien-aimé, le péché de l'autre ne doit jamais devenir mon péché. Sa vie n'est pas ma vie. Sa vie n'est pas ma vie. Vous savez, des fois vous êtes impressionné par des gens, alors que ce que Dieu a mis en vous vous amènera au-delà de là où eux vont finir. Maintenant, si tu te plies à son péché, qu'est-ce qui va se passer? Tu risqueras de terminer la course avant d'avoir commencé. C'est pourquoi je prie pour l'église ce matin, que l'éternel Dieu éloigne ce genre de personnes de vous. Que votre cœur même puisse les rejeter. Est-ce que quelqu'un m'a dit un amen? J'ai dit que votre cœur puisse faire quoi? Les rejeter. Bien aimé, quand le mal entre dans l'église comme infiltré, le mal va créer beaucoup de dégâts. Vous savez, des fois, il est de ces personnes, quand elles partent de l'église, quand vous écoutez l'esprit, l'esprit vous dit, ne leur faites pas le suivi. Je vous ai libéré de quelque chose. Je vous ai épargné de quelque chose. Parce que des fois tu ne savais pas que ton mariage ne marche pas. Parce qu'on t'a envoûté dans la famille. Mais il y a quelqu'un à l'église qui est dans la sorcellerie, mais qui se trouve au protocole. Et qui est très proche de toi. Qui va même jouer à l'intercesseur. Confie-moi tes requêtes, mon cher. Je vais te soutenir dans la prière. Toi, tu es devenu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire quoi? À prier lorsque nous ne savons pas quoi dire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Or, retenez une chose, chaque vision est toujours gérée par une consécration. Chaque vision est toujours gérée par une consécration. Là où Dieu te donne une vision, c'est dangereux si le Seigneur ne t'a pas imposé une discipline. Parce que c'est la discipline que Dieu t'impose qui va soutenir la vision qu'il t'a donnée. Je préfère me séparer de tout le monde si eux ne veulent pas suivre les principes de ma vision. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu comprennes que ta vie n'est pas la vie d'un autre et qu'il est de ces choses que tu dois apprendre à déraciner. Il est un entourage duquel tu dois apprendre à sortir. Les gens pourront peut-être se moquer, pourront peut-être t'insulter, mais bien aimé, ta vision c'est la chose la plus grande que tu as après ta vie. Du reste, c'est ta vision qui donnera à ta vie des bonnes assises. C'est ta vision qui donnera à ta vie. Bien aimé, nous ne sommes qu'au mois de janvier. Prends des résolutions. Il est de ces personnes que tu ne dois pas fréquenter cette année. Vous ne pouvez vous voir que s'il y a un deuil.
Et encore, il faudrait que vous soyez disponible. Mais je prie que même là, que tu ne sois pas disponible au nom de Jésus. Que tu ailles même en mission de service. Parce que vous savez, il est de ces personnes, vous vous rencontrez 5 minutes. Mais en 5 minutes, il a déjà critiqué 14 personnes. Toujours à dire, toujours à dire, toujours à dire, des informateurs. Vous savez, quand nous on grandissait à l'IPEN, on avait un aîné à nous, c'était un ami à mon grand frère. Nous l'avions surnommé Double 07. Ce garçon, jusqu'à aujourd'hui, il habite chez les parents. Il est âgé depuis de 55 ans. Il habite chez les parents. Si tu veux connaître la vie de quelqu'un, va le voir. Il peut commencer à te détailler. Tu vois tel frère. En fait, Wana Zarapena papa n'a été. Yazaramona papa, l'Ektaba Botakaye. Vous posez la question, Aye Biango, comment? Ça, ce sont des distractions humaines. Tu me donnes des informations desquelles je n'ai pas besoin. Vous savez, généralement, celui qui parle des autres passe tellement son temps à parler des autres qu'il ne fait rien de sa vie. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que personne ne parle de lui. Or, toi, quand on parle de toi, on t'aide aussi à être connu. Toi, quand on parle de toi, on t'aide aussi quelque part à être connu. Vous savez, des fois, c'est lorsque les gens te critiquent qu'ils sont en train de t'introduire dans certains salons. Parce qu'il y a de ces personnes qui diront, oh, mais babette a râli solo, il y a Ingrid, d'angoisse à la randenge, nin. Aïe, pena, nunga pena, sa nini, namonae. Parce que des fois, les murmures des autres, leurs critiques, ça peut être les portes par lesquelles le Seigneur est en train de vous amener vers la gloire. Ça peut être des portes par lesquelles le Seigneur est en train de vous amener vers la grâce. Je voudrais dire ces trois choses que le Seigneur avait déposées dans mon cœur lorsqu'il me donnait cette parole pour l'église. Bien-aimé, ne quitte pas l'église à cause de ce que les gens disent. Fais-toi ta propre opinion et entends, écoute le Saint-Esprit. Je suis en train de te dire, ne quitte pas l'église cette année à cause de ce que les gens disent. Fais-toi ta propre opinion de ce que tu vas voir et de ce que le Saint-Esprit va te dire. Qui m'a donné un amen bien? La deuxième des choses que je voudrais te dire, c'est que cette année, éloigne-toi des personnes qui ne t'apportent rien. Vous savez, quand je dis apporter, ce n'est pas toujours de l'argent. Il est de ces personnes qui vous apportent des idées, qui vous apportent une joie, qui vous apportent un certain sentiment de bonheur. Mais il en est d'autres, quand tu termines la journée, tu te dis, mais en fait, on était ensemble, on a fait quoi? On s'est dit quoi? Bien-aimé, Dieu, c'est Dieu qui est éternel. Toi et moi, nous ne sommes pas éternels. Toi et moi, nous vieillissons. Toi et moi, nous allons mourir si Christ ne revient pas. Alors, ne passe pas une minute de ton temps avec des personnes qui ne peuvent pas nourrir ta foi, nourrir ta vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, nous, lorsqu'on grandissait dans les choses de Dieu, on se rencontrait avec des amis. Des fois, de 8h à 20h, on est en train de prier sans modérateur. Des fois, on se retrouvait de 14h à 19h, à 23h, des fois 2h du matin. Nous sommes en train de parler sur l'expérience des hommes de Dieu. Comment il y a des gens qui ont fait marcher les paralytiques? Combien il y a des gens qui ont fait ceci? Je peux vous assurer que ça a attisé en nous la soif de servir Dieu avec sérieux. Qui m'a compris? Tu es là toujours avec des gens, ils n'ont que des informations négatives. Que Dieu les éloigne de ta vie au nom de Jésus. Alors la troisième chose que je voudrais te dire, tu dois sortir de toi-même la chose qui t'empêche d'avancer. Tu dois élaguer de ta vie la chose qui ne te permet pas d'atteindre le but escompté. Bien aimé, ce matin le Seigneur me parlait qu'il y a des gens ici qui sont nés avec une grande renommée en termes de potentiel, mais ils ne le savent pas. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prier que Dieu enlève de ta vie tout programme qui est en train d'entretenir la médiocrité. Que Dieu éloigne de ta vie tout programme qui est en train de garder le fait que tu sois en train de stagner. Et je sais que le Dieu que nous prions, il est capable de le faire au nom de Jésus. Je répète, le Dieu que nous prions, il est capable de le faire au nom de Jésus. Bien-aimé, quelquefois, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions de te discipliner. Les bonnes décisions d'abandonner certaines choses. Les bonnes décisions d'abandonner aussi certaines personnes. Ce que les gens ne comprendront pas aujourd'hui, ils vont le comprendre demain. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien?
Je répète, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, pour que David remplace bien Saül, il fallait qu'il soit loin de Saül. Sinon, il aurait mené tous les combats de Saül, avec Saül. Et Saül aurait certainement eu une plus longue vie sur le trône. Mais il fallait que Dieu l'éloigne. Des fois, la personne de laquelle Dieu t'éloigne, c'est la personne que tu es appelé à remplacer demain. Je prie Dieu, que Dieu t'élève au-delà de là où les gens ont espéré que tu arriveras. Ton amen n'est pas en train de me convaincre. Que Dieu t'élève au-delà de là où les gens ont espéré que tu irais. Que le Seigneur te pousse encore de l'avant. Mais je prie encore ce matin, ça me tient à cœur. Et je déracine de ta vie toute parole négative. Je déracine de ta vie toute parole d'échec. Je déracine de ta vie toute parole qui t'a dit que tu ne sauras pas. Toute parole qui t'a dit que tu ne pourras pas. Au nom de... Je sens que Dieu est là avec nous. Amen. Il est important de sécuriser notre destinée. Et la dernière des choses que je voudrais dire se trouve encore dans Juges 20. Les passages qui étaient restés, la Bible dit, la troisième fois, Israël retourna à Dieu. Il dit, mais Seigneur, est-ce que cette fois-ci nous allons vaincre notre frère? Avant de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté un sacrifice d'action de grâce. Une manière de dire, Seigneur, merci pour ce que tu feras. Bien-aimé, on ne peut pas entrer dans une grande vision quand on n'est pas un homme des grands sacrifices. Généralement, nous demandons à Dieu de nous donner ce que nous-mêmes nous serons incapables de lui donner si nous en avions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Généralement, nous demandons à Dieu de nous donner ce que nous-mêmes nous sommes incapables de donner aux autres si on les possédait. Bien-aimé, je ne te demande pas de le faire aujourd'hui, mais nous sommes dans un long programme de prière. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Flarin, mais je me permets de le dire. Ne termine pas ces temps de prière sans une action de grâce. Ça va sécuriser ton année. Ça va sécuriser ta destinée. Amen. Ça va sécuriser ce que tu seras demain. Une vision se protège. Une vision se sécurise. Une vision se garde. Bien-aimé, tu dois adopter le style de sacrifice. Tu dois adopter une discipline en fonction de la vision que tu as. Ma prière cet avant-midi, c'est que la grâce de Dieu t'amène loin. Et que Dieu t'aide à prendre encore conscience de qui tu es. Que Dieu t'aide à prendre encore conscience de ce que tu as. Si tu ne comprends pas ce que tu es, tu ne comprends pas ce que tu as, tu ne sauras jamais là où Dieu est en train de t'amener. Parce que les indices qui te montrent là où Dieu t'amène sont cachés derrière le potentiel que tu as aujourd'hui. Que tu es peut-être en train de négliger. Tu as peut-être un talent, tu le regardes comme n'étant rien. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir ta vision sur des talents que tu n'as pas. Regarde tes talents, viens bâtir ta vision sur tes talents. Vous savez, j'étais en train de suivre le film de Michael Jordan. Il était en train d'expliquer, il dit, déjà quand j'avais 7 ans, je me disais que je serais grand. À 17 ans, il dit, je me suis dit, je serais le plus grand basketteur du monde. Je me suis fixé cela comme objectif. Il dit, quand les autres ne voulaient pas travailler, moi je travaillais plus que tout le monde parce que j'avais un objectif. Bien aimé, si pour les autres, ce que tu fais, c'est blaguer, alors continue à le faire. Fais-le encore plus avec beaucoup de sérieux. Parce que ta bénédiction ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont pensé. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont prévu. Mais ça ne dépend que de ce que Dieu t'a dit et de ce que Dieu veut que tu sois. Quel est le potentiel que tu as? C'est dedans que se cache le germe de ta destinée. Qui m'a donné un amen? Je répète, qui m'a donné un amen? Le germe de ta destinée ne se cache que dans la petite chose que tu négliges aujourd'hui. Dans la petite chose que tu es en train de regarder en minimisant cela. Mais n'oublie pas que le petit caractère, le petit défaut que tu es en train de négliger, ça peut aussi être un germe qui va détruire ce que tu es censé être. Qui va détruire la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il ne suffit pas d'avoir l'onction. Il ne suffit pas de posséder les prophéties. Mais encore, il faut être sérieux avec Dieu
et avec soi-même. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous proposer de vous lever, nous allons prier. Que ces paroles que Dieu a déposées dans mon cœur puissent résonner fortement en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je voudrais que tu parles à Dieu. Dis au Seigneur, sécurise ma vision. Sécurise ce que je dois être. Sécurise ce que je dois faire. Alléluia. Oh, Rabba Sham Samar. Je ne t'entends pas prier. Demande cela à Dieu. Sécurise ce que je vais faire. Sécurise ce que je vais être cette année. Sécurise-moi. Sécurise mon âme. Sécurise mes pensées. Sécurise mon esprit. Alléluia. Que je ne sois pas un infiltré parmi les saints. Père, ta grâce. 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 Seigneur, apprends-nous à ne pas être les tueurs de notre propre vision. À ne pas nous entourer de ceux qui vont travailler à tuer notre vision. Seigneur, que notre vision survive à notre personne. Je te prie ici, en ce moment, que tu vois une personne, que tu rencontres une personne, que tu parles à une personne, que tu visites une personne. Seigneur, il y a des gens, leurs oreilles vont commencer à bourdonner. Lorsque certaines paroles commenceront à être dites en leur présence. Seigneur, merci pour ta grâce. Église, je voudrais faire un petit travail de 2 minutes. Montre-moi ta main droite. Je vais prier pour ta main droite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour la main de chacun. Que ta grâce fasse rejaillir les flots qui se cachent dans quelqu'un. Une personne qui avait perdu de l'assurance, qui avait perdu le nord, puisse se retrouver dans ce que toi tu es en train de faire. Seigneur, que l'onction qui descend sur cette main puisse travailler. Prends la main, pose sur ta tête. Il y a 9 personnes que le Seigneur va propulser de l'avant. 9 personnes. Ce sont des visionnaires fous, grands. Et la vision va crier 9 personnes. Protocole, vous allez les aider seulement en les mettant ici devant. 9 personnes, Dieu ne m'a jamais menti, j'attends les restes. 9 personnes. Le mouvement qui est en train de s'opérer, c'est la chose que Dieu a mise en toi pour que tu réussisses ta vision. Chaque vision est une mission qui n'est réussie que par les choses qui doivent l'accompagner. Père, localise mon frère. Localise ma soeur. Je dis, il y a des gens qui seront propulsés vers l'avant. Et ils sont au nombre de 9. Parce qu'il y a une royauté dans votre vie. Une royauté qui était cachée. Peut-être que toi-même tu ignorais que tu minimisais. Mais cette royauté est en train de crier ce matin. J'appelle toutes ces personnes, Seigneur. Si ton voisin qui est derrière pousse la chaise qui est devant, bien-aimé, enlève la chaise, fais-lui seulement de l'espace. Ou fais signe au protocole qu'on vienne le chercher, qu'on l'amène ici devant. Je sens la grâce de Dieu qui est en train de localiser ces 9 personnes. Je parlerai sur quelques personnes d'entre elles. Père, je les appelle maintenant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Augmente le son du Saint-Esprit, mon ami. Je les appelle maintenant, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Que ta grâce éternelle les propulse là où ils doivent entrer. Les propulse dans ce qu'ils doivent être. Les propulse dans ce qu'ils doivent manifester. Que l'année 2022 soit une année d'explosion de grâce. Une année d'exposition de leur étoile.
une année d'exposition de ce qu'ils sont. Du coup devant et derrière, je le cherchais devant. Ça c'est le premier travail que Dieu est en train d'accomplir ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Écoute-moi Église. Enlève la main sur la tête, montre-la moi encore. Vous savez, il est de ces personnes, on a voulu les détruire, les tuer, à cause de la qualité de ce que Dieu a mis en eux. Eux-mêmes ne comprennent pas la nature des combats par lesquels ils passent. Garde seulement ta main légèrement levée. Même si tes yeux sont ouverts, si c'est toi, l'onction de Dieu va se manifester fortement. Tu vas comprendre que les choses qui t'arrivent sont en train de t'arriver parce que Dieu fait quelque chose. J'aurai au total ici 21 personnes. Attention, je vais compter jusqu'à 3. 1. Père, j'appelle cette grâce qui est en train de réveiller ce que nous sommes afin de nous rendre potentiellement capables de résister même devant les combats que nous rencontrons. 2. J'appelle cette onction à venir maintenant entrer dans nos vies. Et 3. Qu'elle entre et que le Père ait un travail. Go! Que le Saint-Esprit l'accomplisse maintenant. Dès que j'ai 21 personnes ici, je m'arrête. Il ne me reste que 2 minutes. Père, je les appelle toutes. J'appelle toutes ces personnes au nom de Jésus. Éternel, la qualité de leur destinée est en train de leur définir une qualité particulière des combats qu'ils connaissent. Seigneur, ils sortiront victorieux de tous ces combats. Ils remporteront les batailles extraordinaires. Ils remporteront les batailles des générations. Ils remporteront les batailles qui feront que l'Église de Christ puisse prier. Ils remporteront les batailles de la pauvreté. Ils remporteront les batailles. Père, je les appelle. Père, là où ces personnes se trouvent, je les appelle toutes maintenant. Quand c'est 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il reste 4, il reste 3. Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Il reste 3, Père, je les appelle. Père, je les appelle, Seigneur. Que la qualité de ce qu'ils sont leur donne la force de lutter contre les ennemis de leur destinée, contre les ennemis de leur vision. Il reste encore 3 personnes. Dieu ne m'a jamais menti. Père, je les appelle encore. Que la grâce qui est dans leur vie explose. Il reste 2 personnes. Que la grâce qui est dans leur vie explose, Père. Que tu les aides à développer un système d'autosuffisant, d'autoprotection, allais-je dire. Il reste 1 personne. Père, je l'appelle. Je vais prier pour 3 personnes et je m'arrêterai là. J'ai vu le chiffre 3 et le Seigneur était en train de me dire qu'il y a 3 personnes ici. Je ne sais pas comment le dire, mais je veux le dire comme je l'entends. Auquel le Seigneur a parlé de consentir des grands sacrifices pour cette église. Mais ils n'en ont pas encore les moyens. Alors Dieu m'a demandé de prier juste pour libérer sur vous les moyens qui vont vous permettre de consentir des sacrifices qui permettront à ce que cette église se construise, s'achève, mais aussi s'étende. Pasteur Florin, le Seigneur m'a montré en vision qu'il y avait beaucoup d'hommes politiques qui étaient en train de venir chez vous. Et je t'ai vu debout
Et ils étaient comme ça à genoux. Et tu leur imposais les mains. Au point que tu n'avais même pas le temps pour les autres. Le Seigneur est en train de me dire, pasteur, il va faire de toi cette année une grande icône au rang des pasteurs dans ce pays. Il y a beaucoup de politiciens, non seulement qui vont te consulter, mais qui vont respecter qui tu es. L'Esprit de Dieu me dit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu t'es battu pour avoir. Mais cette année, à partir du mois de juillet, tu vas commencer à avoir les choses très facilement. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir le repos tant qu'ils ne t'auront pas béni et tant qu'ils n'auront pas béni la mission que Dieu t'a donnée. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de te rappeler que tu es un missionnaire. Et Dieu a décidé d'ouvrir les portes de la mission. Bien-aimés, vous allez devoir vous partager le pasteur Flarin avec plusieurs autres églises. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Si quelqu'un est béni, qu'il acclame le Seigneur. Fais bien acclamer le Seigneur. Tu fais bien, je...